Le programme de réforme, non, c'est-à-dire, je recommence, la réforme des programmes de retraite, c'est le débat sempiternel qui a cours ces jours-ci en France. Le président Macron maille à partir, évidemment, avec les Français là-dessus. Nicolas Vidal, où est-ce qu'on en est chez vous à ce sujet-là? Puis parlons un peu aussi de Ségolène Royal qui, me semble-t-il, met en scène sa rupture avec la Macronie, le macronisme. En vue quoi de d'être candidate à la prochaine présidentielle, est-ce que c'est ça? Bonjour Nick, ben oui, c'est Ségolène Royal, l'ivresse du pouvoir, la Titi, elle revient actuellement sur la devant de la scène. On rappellera à vos auditeurs qu'elle était ambassadrice des pôles et on s'est rendu compte, encore faut-il, une enquête est en cours, une enquête préliminaire est en cours, mais qu'elle aurait pas forcément utilisé les fonds à bon escient. Voilà, donc je parle au conditionnel parce que l'enquête est en cours. Mais que Ségolène Royal, sans peur ni reproche, se remet à chevaucher le cheval de la campagne présidentielle pour 2022. Donc là, voilà, hein, actuellement, sur les plateaux de télé, les grands journaux pour nous expliquer que elle tape, vous l'avez dit, elle tape à bras raccourcis sur Emmanuel Macron et sa politique néolibérale. Tiens, ça vous dit bien quelque chose, Nick, la politique néolibérale. Voilà, donc Ségolène Royal, pour préciser, elle est partie du Parti Socialiste, enfin de ce qui reste des petites ruines disséminées ça et là du PS, hein, qui n'a plus de PS que le nom. Voilà un peu pour répondre à votre première question, cher Nick. Donc Ségolène Royal revient sur le devant de la scène. Bon, alors à suivre. Et maintenant, la réforme des retraites. Alors la retraite, c'est pas pour Mme Royal, de toute évidence, mais peut-être pour d'autres. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça va finir par marcher? J'entends que le premier ministre Édouard Philippe fait certaines concessions. C'est cosmétique, esthétique, ou il y a un fond là-dedans? Non, pour l'instant, ça ne bouge pas rapidement. Ça ne bouge pas du tout, mais grosse épine dans le pied pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, d'ailleurs. Hein, l'avis très sévère du Conseil d'État, qui vient de rendre un avis, je l'ai dit, extrêmement sévère, qui estime ne pas avoir le temps de garantir au mieux la sécurité juridique de la réforme et déplore des projections financières lacunaires. Le Conseil d'État, hein, comme son nom l'indique, le Conseil d'État. Donc là, c'est marrant parce que le Conseil d'État commence à avoir les mêmes arguments que tous les opposants, les très nombreux opposants à la réforme des retraites. Donc on se rend compte, en plus, le Conseil d'État ne peut pas être considéré comme une officine bolchevique, hein, ou radicalisée. Oui. Donc là, c'est vraiment un pied de nez énorme fait au gouvernement Édouard Philippe. Donc cette semaine commence les chapeaux de roue pour cette réforme des retraites. 3 nouvelles journées de mobilisation sont prévues 29, 30, 31 janvier. Donc ce pacte aujourd'hui et cette réforme des retraites, pardon, est très très compliquée hein, avec ce... Et puis une nouvelle fois, la mobilisation ne faiblit pas hein, concrètement en France ici avec quand même pas mal de d'actions. Les avocats, vous avez des écoutiers, vous avez des médecins qui ont aussi des chefs de service qui ont démissionné en masse, de 1000 médecins qui ont démissionné en masse. Donc vous voyez quand même ça bouge énormément en France. Et cet avis du Conseil d'État ne va pas être là pour pouvoir éclaircir l'horizon de plus en plus sombre et épais de notre cher gouvernement et de la politique d'Emmanuel Macron. Voilà un peu pour la situation ici. Alors, vous avez réussi à faire un micro-topo. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Il nous restait à peine 2 minutes pour discuter avec vous, mais on a fait le pari de vous parler quand même parce qu'on connaît votre capacité de synthèse. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, chers auditeurs. Nick Payne qui vous dit à lundi prochain, 11h.